l'histoire de Pourim. Achashverosh, on a parlé la semaine dernière, et Vashti, que le problème était qu'il n'avait pas sa femme Ishti. Et après est venue Esther, Aleph, Seter, et elle a dévoilé la force du Aleph. La force du Aleph est la force de la femme Ishti. Dans la Megillah d'Esther, il y a aussi un autre secret. Le secret est Adam, homme. Adam en hébreu, c'est 45. Donc, Adam, même c'est 40, Dalet c'est 4, Aleph Zera, 45. Et 45, c'est aussi Geoula. Geoula, c'est 45. Comment ? Gimel Aleph, et 6, Vav, c'est 10, et Lamed, 40, et Hey, 45. Alors on a aussi la Geoula qui est 45. Et la Geoula est aussi, ça c'est ma femme qui m'a appris, Lev Echad, le cœur uni. Lev 32, Echad 13, 13 et 32, 45. Donc, avoir le cœur uni, c'est ce que dit le Zohar Kadosh, Adam Echad. Mazé Adam, la femme et l'homme, unis. Quand ils sont ensemble et unis, on a Chokhma. C'est quoi Chokhma? Chokhma, c'est Koach, la force du Ma. C'est quoi le Ma? 45. 45, c'est Lev Uni, Geoula, c'est 45 Adam, être un être humain. Et cette Chokhma-là, ça s'appelle Yud Chokhma Keduma. C'est quoi le Yud? Le Yud, c'est une lettre que quand on l'écrit en hébreu, ça fait Yud Vav Dalet, en hébreu Yud. On prend le Vav et le Dalet ensemble, c'est 6 et 4, 10. Et Yud, 10. Ensemble, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que dans le couple, il faut avoir l'équilibre. C'est pas qu'on est égal, puisqu'il y a Vav et Dalet et Yud. Mais ensemble, on est équilibré. La femme a la partie féminine, l'homme a la partie masculine. Mais dans chaque homme, il y a une partie féminine et une partie masculine. Et chez les femmes, il y a une partie masculine. Ça veut dire que quand on est unis, on assemble quatre lettres qui se mettent ensemble. Si on a le yud en hébreu 10. Le yud, on dit que c'est la première lettre qui crée toutes les lettres. Les Hashem, il faut avoir un tableau, comme ça on peut dessiner un peu. Mais toutes les lettres de la Torah sont écrites par un yud. Pourquoi? On prend le yud et on lui tire le pied, ça devient un vav. Maintenant, on va prendre le yud et on va tirer la tête. Ça va faire reish. Un reish. Maintenant, vous prenez toutes les lettres de la Torah, sont composées d'un yud petit, d'un yud allongé et d'un yud tiré. Toutes les lettres de la Torah sont composées par ça. Ça veut dire que le yud est prêt à se transformer à tout. Il est dans tout, on le voit dans rien, puisqu'il est transparent, donc on ne le voit pas, mais il est partout. Donc il a toutes les bonnes idotes. Il donne à tout le monde, il ne demande rien pour lui. La tête, chez l'homme, menat le kabel, on ne donne pas pour recevoir, comme qui? Mordechai et Yehudi. Comme qui? Comme Moshe Rabbeinu. Tous les grands tzadikim sont arrivés à une conclusion qu'ils sont juste là pour illuminer. S'ils veulent pour eux un peu, c'est comme si qu'ils volent la force qu'ils reçoivent des cieux. Si tu reçois des cieux une certaine force, c'est pour donner aux enfants d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour toi. Alors le Zohar Akadosh pose une question. Quand on veut montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on l'aime, comment on peut lui montrer qu'on l'aime? C'est un grand roi, c'est un roi immense. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Une bouteille d'eau, qu'est-ce qu'on va donner?
Une maison, un immeuble, qu'est-ce qu'on va lui donner? On ne peut rien lui donner. Une chose, aimer ses enfants. Quand un grand roi sait que les gens aiment ses enfants, il s'occupe bien de ses enfants, alors le roi il est très content. Même si on ne le voit pas. Mais qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la récompense de s'occuper comme il faut de ses enfants. Alors ce grand roi, qui nous aime tellement, a dit, je vais créer le monde pour faire du bien à mes enfants. Et ce monde-là, comment je vais le créer? Parce qu'il doit être le reflet de moi. Si une personne, si on aurait pu, je pense que c'est impossible, mais si on aurait pu rassembler toutes les grains de sable qu'il y a sur la terre et rassembler toutes les alimes, toutes les feuilles de toutes les plantes qu'il y a sur terre, et si on rassemblait toutes les énergies de tous les animaux et des poissons et des oiseaux qu'il y a sur terre, et si on aurait rassemblé tous les êtres humains qu'il y a sur terre, et si on aurait rassemblé toutes les forces de toutes les étoiles qu'il y a, peut-être on aurait dévoilé une lumière d'Akadosh Baruch Hu, une. Mais quand même, on veut travailler ou bien on veut rendre, c'est maintenant la Géoula, on veut dire au roi, viens, ça y est, la terre est prête pour ton royaume, viens t'imposer sur le royaume. Il est écrit dans le parasha de la semaine dernière, « Vassou li mikdash et shachanti betocha. » Faites-moi un temple et je rentrerai dans ce temple. Je vais le remplir de lumière. Comment on va faire le temple? Puisqu'il n'est pas... Quand il sera temps, mais il n'est pas temps encore. Alors c'est quoi le temple? Le temple, c'est l'être humain. « Vassou li mikdash et shachanti betocha. » Où on voit le temple dans l'être humain? Les deux yeux... C'est la menorah. La vue. Lui, c'est les Lévim. Il y avait la musique dans le temple. Hein? L'écoute, c'est ça. L'odorat, les essences. La parole, c'est le manger. Le pain. Il y avait le pain devant la menorah. Hein? Le cerveau, Kodesh HaKodashim, la Torah. Alors Akadosh Baruch Hu, en nous donnant les sens, il nous a permis sa présence dans nous. On ne peut pas profiter de ce monde sans les sens. D'accord? Alors si on ne peut pas profiter de ce monde sans les sens, ça veut dire qu'on va faire l'inverse. On va dire, comment je peux profiter de sa présence? Seulement grâce à mes sens. Donc la présence divine se dévoile, oui, dans nous. Grâce à quoi? Bon oeil. Maintenant les midot commencent. Aïn tova. Ozen tova. Lachon tov. Reach tov. Toutes les bonnes choses, c'est, on va dire, accueillir la présence divine dans le bien. Vous savez que quand une personne voit quelque chose bien, et l'autre regarde sur la même chose, elle ne le voit pas bien. Quelle est la différence entre nous? La façon de voir. Les vibrations. Si on est connecté à la bonne station de radio, alors on va entendre la musique. Mais si on bouge de station, on peut entendre Chas Shalom, des gens maudire. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Change de fréquence. Quelle est la seule chose que l'être humain peut changer dans sa vie? La fréquence de vie. Est-ce que je vis stress? Je vis la peur? Je vis l'angoisse? Je vis la pauvreté? C'est dans ma tête tout ça. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que si je vais me rapetisser à mes besoins seulement, vous allez voir que chacun de nous, on a assez pour ses besoins. Quand est-ce qu'on n'a pas assez? On veut plus. Pourquoi on veut plus? Parce que dans notre côté, il y a un manque. Alors on cherche l'équilibre. Je vais augmenter ici, parce que ici, je n'ai pas assez. Mais si la personne rentre dans l'équilibre, tout va bien. Maintenant, on va se poser une question. Où se trouve l'équilibre?
Hein? Dans les zivouk, oui. Quand on a la chance du zivouk, zivouk c'est s'unir avec son zivouk. Quand on a eu la chance, on a eu le moment de l'équilibre. Mais l'équilibre, c'est quoi? C'est la balance. C'est pour ça que les gens en Asie font comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Je te remercie, mais quand je suis équilibré. Pas quand je ne suis pas équilibré. Remercie quelqu'un quand on n'est pas équilibré, c'est pour avoir quelque chose de lui. On est gentil avec quelqu'un tant qu'on a besoin de lui. Dès qu'on n'a pas besoin de lui, on le jette. Ça, ce n'est pas un équilibre. On est gentil avec les gens parce qu'on est gentil avec les gens. Où se trouve l'équilibre? Quand on coupe l'être humain au milieu, on voit que les oreilles équilibrent les sens. Les yeux équilibrent la vue. Le sens sont équilibrés par deux narines. Je vais expliquer. Et la bouche? La bouche est équilibrée, vous savez comment? On a 32 dents. 16 à droite, 16 à gauche. 8 en haut, 8 en bas. Derrière, on a une colonne vertébrale. Combien de vertèbres? 32. On a le tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait l'autel de cuivre. C'était quoi la mesure en bas? 32. 32. Lève. Où est le cœur? Au milieu. Un peu à gauche, au milieu. Qu'est-ce qu'on fait? Il est au milieu à gauche. Mais si on va, par exemple, vers le foie commence à droite, finit après le milieu. Si on va vers le lave-lave, c'est pancréas. Le pancréas, il n'est pas juste au milieu, il est un peu de côté. Tous sont dans les côtés, sauf le cœur qui est au milieu. Et on a aussi Brit Kodesh qui est aussi au milieu. La fin du corps est au milieu du corps. Ça veut dire que le lèvre, le cœur est l'équilibre de l'être humain. Les gens peuvent être très instruits ou pas du tout instruits. Ils sont tous à la même longueur d'onde ou dans les sentiments. On peut être quelqu'un de 70 ans et quelqu'un de 12 ans. Si on nous vexe, on est vexé. Mais tu es très instruit, tu es un professeur de mathématiques. Et alors, il a fait. Alors on voit que la façon de Dieu de s'exprimer en bas, c'est par les sentiments. Lève. C'est pour ça qu'il est écrit, lève Tahor, un cœur pur m'a créé Dieu. Barali Elohim. Dieu m'a créé le cœur qui est pur. Donc mon cœur qui est pur, c'est lui l'équilibre que je peux avec lui avancer dans ma vie. Pourquoi on a des organes qui ne sont pas équilibrés? C'est les organes, c'est seulement des panneaux qui nous disent, regarde, tu es trop à droite, tu es trop à gauche, tu es trop triste, tu as trop d'émotions, le foie, les poumons, tu as trop d'oxygène, tu n'as pas assez d'oxygène. Tout veut nous mettre dans l'équilibre. L'équilibre est Yud. Yud, c'est une lettre qui est 10. Et les 22 lettres de la Torah, 10 et 22, cœur, lèvres. Ça veut dire que la volonté divine de s'exprimer dans ce monde-là est par le chemin du cœur, les sentiments des êtres humains. C'est pour ça que le vrai seul travail qu'on a, c'est Ve'ahavta. Dans la Torah, il est écrit Ve'ahavta et Hashem et Hashgacha. Il est écrit Ve'ahavta l'Re'acha Kamocha. Ve'ahavta, si tu sais prendre tous les éléments de ta vie, les mettre dans le juste milieu de tes sentiments, tu peux te comporter comme il faut avec les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Mais si tu prends les éléments de ta vie et Chas v'Shalom, ils te font dévier du juste milieu, du juste chemin, tu ne peux pas faire du bien avec les autres. Tu es égoïste, tu donnes trop. Ceux qui donnent trop ne sont pas capables de recevoir. Alors ils ne sont pas équilibrés. Comme tu dois savoir
donner la tête, tu dois savoir aussi mekabel, recevoir. Si tu dis moi je reçois deux personnes, c'est pas une bonne qualité. C'est une sorte d'égoïsme. Pour dire quoi? Vous savez c'est quoi ça? Bien sûr que l'orgueil, vous savez pourquoi? Parce que la personne se dit, personne n'est capable de me donner. C'est de l'orgueil. Comment personne n'est capable de te donner? De l'affection, d'où tu le reçois? Non, 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 j'ai pas besoin. Orgueil. Ton affection est l'orgueil. Mets-toi au juste milieu. Accepte de recevoir. Je ne peux pas recevoir. Qu'est-ce qui est plus dur? Donner ou recevoir? Pourquoi? Pensez un instant. Pourquoi tout le monde dit recevoir? Ils sont un devant l'autre. La tête. Les cabelles. Non, alors pourquoi on dit que les cabelles, recevoir, c'est plus dur que donner? Parce qu'on est dans l'orgueil que tu nous entends. Ceux qui disent, c'est dur pour moi de recevoir, oh, ils ont un long chemin à faire. De quoi? De dire, oui, je veux recevoir. Pourquoi? Je suis un être comme tout le monde. J'ai besoin de l'équilibre. Mordechai et Yehudi, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que le peuple d'Israël est sorti de l'équilibre. Dans la galoute de Babylone, Babylone c'est quoi? Babel, Bilbel. Tout se met en mélange, tout se devient bilboulim. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il y a eu un grand bilboul. Quel était le grand bilboul de l'exil de Babylone? C'était l'assimilation. Les gens là-bas se sont presque complètement assimilés. Moi je dis aux gens, vous savez, quand quelqu'un est dans un problème dans sa vie, est-ce qu'on peut le faire sortir de son problème? Il y a une raison qu'il veut être dans ce problème. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, vous savez? Où il est, avec les outils qu'il comprend maintenant, faire demi-tour sur place. On ne peut pas l'arracher de sa vie. On ne peut pas lui dire, va-t'en, fais ça. Il ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Avec les outils qui lui font mal, lui faire du bien. Quelqu'un, je vais expliquer, quelqu'un a mal aux dents. Il a mal dans les dents, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a mal aux dents. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, tu as mal aux dents? Oui. Va chez l'opticien. Quel est le rapport l'opticien avec les dents? Non, peut-être que ça vient des yeux. Que le mal des... Peut-être. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas regarder le problème en face. Quand quelqu'un a mal aux dents, il va chez le dentiste. Quand quelqu'un a mal aux pieds, il va chez l'orthopède. Non, tu as mal aux pieds, va chez le dentiste. Tu sais pourquoi tu as mal aux pieds? Parce que ta dent est de travers. Ben, mette. Un des plus grands secrets de la Megillat Esther est que Mordechai Yehudi, qui était Mashiach, a accepté de faire quoi? De faire sortir de l'exil ceux qui sont dans l'exil. Il a parlé avec eux dans leur langage. Il leur a dit, les enfants qui ne connaissent pas ni le père, ni la mère, ni le truc, venez. Alors les peuples d'Israël se disent, regarde, on est acceptés? Oui. Quoi, nous tous? Assimilés, pas... Oui. Par qui? Par le Gdolador. Par le grand tzaddik du Dor. Alors les gens, ils ont dit, oui, on vient. On va faire le jeûne. On va jeûner 3 jours. Et on se dit, qui sont les gens qui jeûnent 3 jours? C'était les grands rabbins. Les grands rabbins, ils étaient contre, puisqu'ils ont fait la seder. Alors c'était qui? Il y a dans notre génération, un juif tzaddik à Jérusalem, il s'appelle Rav Scheinberg. Et ils sont... ils étudient le Zohar Kadosh d'après le Baal HaSulam. Et ce rave là, pendant quelques années déjà, il dit qu'à la période de Pourim, on doit faire le jeûne de 3 jours. Et il dit, ceux qui font ça ne vont rien sentir. Ils vont passer le jeûne comme ça facilement 3 jours de suite. Et ils ont des élèves qui publient dans Internet, parce que la plupart des élèves sont... Et vous savez qu'il y a quelques années, ils étaient peut-être 10 000 à jeûner 3 jours. Qui étaient les 10 000? À Bnei Brak? Non. Jérusalem? Non. Tel Aviv? Hein? Et des gens qui vont avec les mini-jupes et avec les talons,
et avec l'iPhone, et avec tout ce que vous voulez. Dans... Oui, vous vous rigolez, mais lui, c'est un génie. Pourquoi? Parce qu'il a dit, qui vont emmener la Géoula? Ceux qui ne sont pas dans la Géoula, c'est eux qui vont demander la Géoula. Ceux qui pensent qu'ils vivent une certaine vie de Géoula, combien écrit pour la Géoula? Ça y est, on a Shabbat, on a la Torah, on a les mitzvot. Qu'est-ce qu'on va crier? On va crier? Non. Mais ceux qui n'ont pas, c'est eux qui veulent qu'ils crient vraiment. Donc ce rave, qui est une grande, grande lumière, un vrai tzaddik. Ce rave-là, personne ne comprend comment il vit. Il est entouré de gens tout le temps. Et 24 heures sur 24. Alors ils disent, quand est-ce qu'il dort? Ce groupe s'en va, l'autre revient. Un groupe s'en va, l'autre revient. C'est un spécial, plein de lumière. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous savez, je vais faire la demande du jeûne de 3 jours. Et je vais voir qui va donner la réponse. Qui s'inscrit? Ceux qui sont assimilés. Ceux que l'on voit à Tel Aviv, à Bat Yam, à je sais pas quoi, à Houlon, ceux-là, il y a des gens, des hommes d'affaires qui jeûnent. On lui dit, pourquoi tu jeûnes 3 jours? J'ai quelque chose avec mon rab. 3 jours de jeûne. Et il leur dit, on jeûne pour la Géoula. Ce n'est pas qu'ils jeûnent parce qu'ils veulent faire un régime, ou bien le docteur leur a dit qu'ils vont faire un examen et maintenant ils doivent jeûner. Ils jeûnent pour la Géoula. Maintenant, la force du jeûne d'une personne qui jeûne pour la Géoula et la force du jeûne qu'une personne jeûne pour le docteur, qui a? Et on se dit, qui demande la Géoula? Les gens qui sont pas... On voulait attendre ça de quoi? Des rabbins, des... Les gens qui sont dans l'assimilation. Cette assimilation-là, c'est la réponse de quoi? De l'exil et de la Géoula. C'est pour ça que le rabbi de Chabad, qui était aussi un très grand tzaddik, il a dit, dans chaque endroit du monde qu'il y a un juif, il y a un Bet Chabad. Qui vont dans les Bet Chabad tous les jours? Tous les Shabbats, on ne comprend même pas. Il y a des milliers de Bet Chabad sur le globe. Et ils accueillent qui tous les Shabbats? Ils accueillent quoi? Moi? Les gens qui voyagent. Moi, j'étais beaucoup en Chine. Et en Chine, les gens font leur voyage d'affaires et tout pour pas du tout religieux, pour être Shabbat ou Bet Chabad. Qu'est-ce que tu en fous du Bet Chabad, toi? Shabbat, je veux être proche. Pourquoi? Parce que quand on est dans la galoute et on voit les forces de la galoute, je veux avoir un repère. Je veux avoir le moment de quoi? De me retrouver quelque part. Qu'est-ce qu'il a dit le Rabbi? Il a dit, vous savez, c'est bien de faire un Bet Chabad où vous voulez, mais on va faire un portail et on va vous poser des questions. Tu veux rentrer dans un Bet Chabad? Il y a un fichier qui t'a dit, est-ce que tu es tel? Est-ce que tu es comme ça? C'est ça ce qu'il a fait? Non. Il a dit non. Non. Chacun qui veut, juif, non-juif. Lui, faut non-juif. Il dit, celui qui sent, qui veut, qui rentre. C'est pour ça que le Chabad, c'est ceux qui font le plus de guérim. Et les guérim, quand on leur pose la question, tu es contente que tu as eu quelqu'un qui a accepté de parler avec toi, qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé dans un corps de quelqu'un qui était non-juif, qui veut devenir juif. Quelque chose dedans a bougé. Le fils de Esther Amaka, je crois, ou le petit-fils, s'appelait Darwish. Je crois le deuxième Darwish, pas le premier. C'est lui qui a construit le deuxième temple. Il a eu une envie, mais c'était le fils d'Achashverosh. Qu'est-ce que tu as d'envie de faire quoi? Construire le temple. Toi, tu veux construire le temple? Peut-être un grand juif, un grand riche, un grand... Non. Lui, qui est quoi? La maman Esther et le père Achashverosh a eu le sentiment intérieur. C'est pour ça que la Géoula, c'est Lev Echad. C'est l'union totale de l'être. L'être, c'est Ma. Quelle est la force de l'être? Koach. C'est quoi le Koach? Koach de l'être, de Ma, c'est Chochma. C'est quoi la Chochma? Yud. C'est quoi le Yud? Équilibre. Le Yud et le Vav et le Daled,
c'est le même chiffre. 10 et 10. Mais comment 10 et 10? Un qui est très concentré, l'autre qui est très ouvert. Parce que quand on fait rentrer dans le Dalet le Vav, qu'est-ce qu'on reçoit? Un Hey. Un Hey. Quand on fait rentrer le Yud dans le Dalet, on reçoit aussi un Hey. Un Hey, c'est un Hey qui vient de la Chochma, c'est Dalet sur un Yud. L'autre Hey vient de la Bina, Dalet sur Vav. Comment on dit ça, Bishir Hashirim? Ani le Dodi, le Dodi li. C'est quoi Dodi? Dalet sur Vav, Dalet sur Yud. La Chochma qui se met avec la Bina. La Chochma s'appelle Yud. Chochma Keduma. Yud, c'est concentré. Non? La, l'homme, c'est concentré. La femme développe les choses. Elle fait grandir les choses. Elle fait pousser les choses. Le bébé grandit, 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 grandit. Chez qui grandit? Chez le père? Non. Le père, il a donné quoi? Un micron de je sais pas quoi, tout petit. Très concentré. La maman, qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a fait grandir l'enfant. Regardez la terre. On a mis un petit grain et on a tout ce qui pousse. Grâce à qui? À la terre. C'est quoi la terre? Daled, Vav. C'est 10. Yud, c'est aussi 10. Alors le vrai équilibre dans la vie, c'est entre le concentré et celui qui développe les choses. Entre les grains et la terre. Le grain est tout petit, la terre est immense. Qui fait grandir les grains? La terre. Alors dans cette galoute, quand on veut comprendre l'histoire de la Géoula de Achashverosh, de Babylone, c'était une Géoula de quoi? De Bilboul, Babylone. Il s'était Meboulbalim. Qu'est-ce qui était Meboulbal? Ils ne savaient plus à qui ils appartenaient, le peuple d'Israël. Puisqu'ils se sont dit, Akadosh Baruch Hu nous a renvoyés. Mais il a dit 70 ans. Les 70 ans, je vous ai dit la semaine dernière, d'après un certain compte, sont tombés pas à la fin, un peu avant la fin de la galoute. Lui, Mordechai, il dit, il était sage. Il savait, non. On compte le 70 ans depuis que le dernier est sorti de Jérusalem. Et eux, ils ont compté depuis le premier qui est sorti. Ça a pris, je pense, peut-être 3 ans. Du premier jusqu'au dernier. Ces 3 ans-là, Achashverosh n'a pas su compter. Alors il a dit, d'après mon compte du premier, maintenant Dieu vous a quitté. Alors à qui va appartenir le peuple d'Israël? Qui va adopter cette neshama là qui s'appelle Israël? Qui peut l'adopter? Personne ne peut l'adopter. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, qui est aussi la première Géoula du peuple d'Israël, il a dit, Vaitem li, l'âme. Li, l'avadim. C'est une neshama qui appartient seulement à Kadosh Baruch Hu. On veut essayer d'être assimilé pour faire plaisir, pour complètement s'effacer dans les 70 nations, et les nations nous rejettent. Non, vous ne pouvez pas vous assimiler. Quand le peuple d'Israël essaye un maximum de s'assimiler, il y a le maximum du racisme qui s'impose sur le monde. Et les gens qui sont assimilés des générations commencent à se penser des questions. Ils vont me chercher. Si c'est pas moi, ils vont chercher ma mère. Si c'est pas ma mère, c'est ma grand-mère. Si c'est pas ma grand-mère, c'est mon arrière-grand-mère. Pourquoi c'est ça? Parce que Akadosh Baruch Hu a dit, l'équilibre du monde est le peuple d'Israël devant 70 nations. On a 70 nations, c'est Haïm, 70. On a le peuple d'Israël, Echad. Et on a la Shrina, 2. En tout, 72. 72 en hébreu, Chesed, miséricorde. Quand est-ce qu'il y a la miséricorde dans le monde? Quand il y a l'équilibre entre le peuple d'Israël et les 70 nations. Quand on va au temple, Bezrat Hashem bientôt, on va sacrifier 70 bœufs. Pour qui? Pour qui? Pour les nations. Chaque nation, on va donner un sacrifice. Chaque nation. Nous, le peuple d'Israël, le Kohen Gadol,
il va donner un sacrifice pour les nations. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire ça? Dans la fête de Sukkot. C'est quoi Sukkot? Sukkot, c'est la Shrina. C'est la Shrina, c'est la présence divine qui est dans le monde. À ce moment-là, c'est le moment de la paix. Entre qui? Entre le peuple d'Israël et les 70 nations. Comment on fait la paix? On leur dit, comme on prie pour nous, on prie pour vous. Quand est-ce qu'on voit ça? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est deux jours de prière. Le premier jour, on prie pour toutes les nations. Qu'ils aient la pluie, qu'ils aient la richesse, qu'ils aient tout ce qu'ils ont besoin. Et le deuxième jour, on prie pour le peuple d'Israël. Voilà encore une fois, en 48 heures qui est Moar. Moar, la 48, Moar. Moar, c'est Chochma. La force de l'être qui est Ma, c'est quoi? L'équilibre entre le Yud et le Vav Dalet. L'équilibre entre concentration du peuple d'Israël et beaucoup de nations. Il doit y avoir un équilibre. Quand il y a l'assimilation, qu'est-ce qui se passe? Les produits se mélangent. Quand les produits se mélangent, il n'y a pas d'équilibre. C'est ça la faute des gens qui veulent faire la paix. Ils disent, on va se ressembler, comme ça on aura le même intérêt. Non, on ne peut pas se ressembler. Si quelqu'un est grandi avec une certaine mentalité, on ne peut pas changer sa mentalité. Et comment ils ont voulu faire la paix? Par exemple, en Europe. Vous savez que l'Europe, c'était Giscard d'Estaing, c'est lui qui a eu la pensée de l'Europe unie. Qu'est-ce qu'il a dit? On va avoir une monnaie, on va essayer de se rassembler au maximum. Comment on va se ressembler? On va se mélanger. Il n'y a plus de frontières. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Les Français sont devenus plus Français. Les Allemands sont devenus plus Allemands. Les Grecs sont devenus plus Grecs. Au contraire, on a ouvert toutes les frontières. Allez! Circuler. Non. Les gens ne veulent pas circuler. Ils veulent se concentrer dans ceux qui sont. Donc, la paix par l'égalité n'est pas une paix. Quelle est la vraie paix? Reconnaître la différence. La différence qui va faire quoi? L'assembler. Si toi, tu as une certaine mentalité et moi, j'ai une autre mentalité, c'est bien. On peut être un côté de l'autre. Le Shulchan Aruch, vous savez, il y a une partie dans le Shulchan Aruch qui explique comment devenir riche. Et une des choses dit que le juif est le peuple errant. On dit à un Israélien, tu as un poste en Europe, il est très content. Alors dit le Shulchan Aruch, il dit, tu vas acheter une certaine matière qui n'est pas cher dans un endroit, et tu vas l'en transporter dans un endroit qu'elle est chère. Et tu vas gagner la différence. C'est une équation de paix. Tu vas prendre de la différence entre deux pays, l'avantage qui fait la force de l'union. Pas on se ressemble. On est unis. Le cours d'aujourd'hui, c'est comprendre que l'union du cœur, lev echad, c'est quand on a echad. Echad, c'est quoi? C'est l'union. Mais comment l'union? Si on aurait une lettre, aleph, même dans le aleph, on a deux yud et un vav. Ok, on veut prendre seulement une lettre, le yud. Dans le yud, on a yud, vav, dalet. On peut une lettre, dalet, dalet de la métaphore. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y a une hiérarchie lumière qui dit le commencement est une union. Et quand ça arrive sur terre, ça se divise en des milliards de particules qu'ils sont tous unis. Mais on ne veut pas que la terre devienne l'eau. On ne veut pas que l'eau devienne l'air. Et on ne veut pas que l'air se transforme en lumière. Parce que sinon, on disparaît tous en un instant. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que toutes les parties
gardent leur identité unie et ils vivent ensemble. C'est pour ça que les mots en hébreu, qu'on dit par exemple un verbe, kos. Le kos, on dit chaf, vav, samer. On a chaf et vav, c'est le nom de Dieu, 26. Et samer et vav, c'est 66. 66, c'est le nom de Dieu, Aleph, Dalet, Nun, Yud, et 1. 66, on a deux noms de Dieu. On a un nom qui s'appelle Ot Yud, Ot He, Ot Vav, Ot He, que le total est 26. Et un nom qui s'appelle Aleph, Dalet, Nun, Yud, ce qu'on dit, Bauchata. Alors le nom de, qu'on prononce est Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est combien? C'est 65. Et 1, 66. Alors on a dans le verbe, d'un côté on a le nom Avaya, 26, et dans l'autre côté on a le nom Adnout, 66. Alors même dans le verbe, qui doit contenir le vin, Mishte Ayayin, on a deux noms de Dieu qui se réunissent. Comment ils se réunissent? Kos, Chav, Vav, Samer. Le Vav, qui est un trait droit de l'équilibre, c'est lui qui va équilibrer entre le nom de Havaya et le nom de Adnout. C'est quoi le Havaya? Toute l'existence. C'est quoi le Adnout? Toutes les forces qui règnent sur l'existence. Adon, c'est quoi Adnout? Adon. Moi je te dis, bouge, il n'y a pas de problème. Le verre et l'existence, Havaya, il n'y a pas de problème. Et moi, la force, Adnout. Mets-toi là, il n'y a pas de problème. Mets-toi là, il n'y a pas de problème. L'équilibre entre eux, le trait du milieu. Que le trait du milieu est l'équilibre de la vie. Tant que la personne ne fait pas le trait du milieu, elle bouge le trait, elle le met comme ça. La séparation, comment on fait séparation? Un trait comme ça, mais pas comme ça. Quand on met le trait comme ça, le Khaf est loin du Samer. D'accord? Khaf en hébreu 20. Samer 60. Au milieu 40. 40, il est écrit. 40 jours avant que l'embryon a été créé, déjà tout a été prêt pour lui. 40. Au milieu du Samer et du Khaf. D'accord? C'est même. On te dit, les 40 jours avant que tu aies été créé. Après, on va dire, Yofi. Alors, on a Khaf, Mem, Samer. D'accord? C'est combien la longueur de vie d'une personne? 120. Samer, Mem, 100. Et Khaf, 120. On était dans le Kos. On est, je redis, Kos. On a Khaf, Vav, Samer. Khaf et Vav, c'est 26. C'est le nom de Dieu. 66, c'est 65 et 1, le nom de Dieu. On a dit que quand on veut sortir de l'équilibre, on enlève le Vav. Quand on enlève le Vav, on a la différence entre les deux. C'est 40. 20, 60 moins 20, 40. Le même. Rend même. Comment on écrit même en hébreu? Chav et un Vav. Même. C'est quoi le même? Regardez, ça c'est même. Encore une fois, 26. Au milieu de quoi? Au milieu de l'écart, qu'est-ce qu'il y a? L'existence, Avaya. C'est quoi? 26. 26, encore une fois, le nom de Dieu. Donc on voit que l'existence divine est quoi? Est présente tout le temps. Et deux existences en une. Une existence qui dit le matériel, une existence qui dit les forces qui agissent sur le matériel. On a les forces. Je peux graver, je peux brûler, je peux refroidir, je peux réchauffer. On a les forces. Quand on regarde l'existence, on voit qu'il y a la plus petite existence et l'atome. L'atome, d'accord? Dans l'atome, qu'est-ce qu'il y a? Photon, électron, proton, neutron.
c'est quoi? Ot yud, ot hey, ot vav, ot hey. Comment on sait qu'il y a deux hey équilibrés? Parce que le nombre d'électrons seront le nombre de neutrons. Qui vont quoi? Qui vont équilibrer toujours les électrons. D'accord? On a un équilibre que c'est deux hey, les mêmes lettres de nom de Dieu. Et on a le yud et le vav. Le vav est toujours à côté du hey. Et le yud est infus avec le he. Alors on va avoir le proton et le neutron qui sont toujours un côté de l'autre mais ne sont pas infus. Et le yud qui est la lumière est infus dans le he qui est l'électron. Magnifique ou pas? Magnifique. Très beau. Et quand on regarde l'atome et on veut le changer, on voit qu'on a 7 cycles d'électrons. Regardez, magnifique. Le dernier cycle, 32 électrons. Le cycle intérieur, 32. C'est combien 32? Lève. Équilibré, deux cœurs. Après, on a le cinquième cycle et le quatrième cycle, qui sont 18 et 18. Chai et Chai. Comme ça, comme je vous dis. Lève, lève, chai, chai. Après, on a quoi? Deux cycles qui sont 8 et 8. 8 et 8. 8 jours de quoi? Brit Mila. 8 et 8. Et après, on a un cycle de 2. Alors, tous les gens disent, comment il est égalisé celui-là? On a 2, 2, 2 et 1. Il y a deux électrons. Dans le noyau, il y a quoi? Un proton et un neutron. Donc, équilibré par quoi? Bet. Bet, c'est mazé. Bereshit. Bet, c'est quoi? Sefer Yetzira. Be, lamed, bet. Ça commence comme ça. Be, lamed, bet. Be, Stein. Lamed, bet, 32. Netivot, Chochma, Dieu a tout créé. Be, lamed, bet. Netivot, Chochma. Donc, on a bet. Les deux électrons, lamed bet, les 32 électrons. On a l'entier. La Torah, regardez, la Torah commence par un bet, Bereshit. Elle se finit par un lamed. Les Enekol Israël, c'est le dernier mot, c'est Israël dans la Torah. C'est un lamed. Mettez le lamed avec le bet. Vous avez combien? 32. Et quand vous mettez le bet, on a deux. C'est la Torah entière. On a le dernier cycle qui est le septième, c'est 32. Lève, netivot, pliot, chochma.